Allez, salut à tous, c'est MafioMi130 et bienvenue, pour ce nouvel épisode des Volantes 2. La dernière fois où on s'avait laissé, on avait enfin fini toutes ces épreuves du dojo et maintenant nous allons pouvoir rentrer dans les derniers. Le dernier. Pour seulement affronter le boss. The boss. Voyons voir ce qui va se passer. C'est parti. Oh, c'est classe! Oh, c'est classe! C'est parti. Fallait s'en douter qu'il fallait classer ça pour référence au pot. Ah ouais, t'es gros! T'es plus gros! Qui a détruit mes jolis pots? C'était mes préférés! Je vous reconnais. C'est vous qui étiez venu chasser mes amis les fantômes de la forêt. Et maintenant que j'ai de nouveaux amis, vous voulez me les prendre aussi, c'est ça? Non. Je ne vous crois pas. De toute façon, j'aurais dit non à tout que ça. Je vois que je n'ai pas le choix. Il va falloir que je me débarrasse de vous. Allez, j'attaque. Esquive. Comment le but? Avec ça peut-être? Faudrait qu'on voit. Ok, avec ça. Aïe. Je vous en balance. Non, mais pas ça, pas cela. Pas cela. Oui, cela. Aïe. Aïe. Putain, de dans la merde. C'est la perle. C'est bon. Allez, attendez. On l'enchaîne, mais c'est pas évident en fait. Il prend beaucoup de temps, je trouve. Allez, on se concentre bien, ça devrait aller. Voilà, il tombe. Eh mais quand je pense à ça, si je le fais tomber après, est-ce que je peux l'enchaîner? Faudrait qu'on voit ça. Aïe, merde. On est quasi mort. Je me concentre pas plus. On va voir. Ah ouais, je peux l'enchaîner ainsi après. Ok. Excusez-moi. On va voir. J'ai vu ma vie défiler. What? Il fallait dire que t'allais faire une grosse attaque ainsi. Ah, du coup, on reprend au début. On va voir, c'est reparti. Allez. Non, j'en veux pas tes amis. Ah, c'est bon. Voyez moyen de s'en sortir là. On a compris le principe. Quand on comprend le principe, ça va mieux. Fallait juste comprendre le principe. Même toi, sinon, j'ai des colonnes là. Allo, l'enchaîne. Vas-y, il va pas s'offrir. On est reparti. Laisse-moi tranquille. Wouh! Esquive! Wouh! Wouh! Allez, on est chaud! Wouh! 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 What? Mais dis-moi pourquoi ça avait pas suffi.
pas logique. Qu'est-ce qu'il va se mettre maintenant? Ouah, je sais pas, mais moi il faut que je fasse gaffe. Ishoui, 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 Ishoui. J'ai du bol, j'ai du bol. Ok, il en faut deux maintenant, ok. Du coup, maintenant, on continue avec les Ishoui. Ishoui, on fait gaffe, on fait gaffe, on fait gaffe. Esquive, esquive du démon. Esquive... Pas esquive du démon. L'esquive du démon, allez. Yeah. Il est là, il est parti. Il est chaud. Il est où, cet enculé? Il est où, cet enculé? Il est là, cet enculé. Genre, ça pas suffit. Ouh, ah non, c'est juste la troisième phase, en fait. Ok. Mais t'es chiant! Ah! Ah! Maman, à l'aide! Ah! C'est la merde! Non, s'il te plaît! Ah! Ouh! Ouh! Il est tombé! Non! Putain, je suis quasi à mourir! Je vais mourir! Maman, aide-moi! Ah! Ah, esquive! Esquive! Esquive tout est le meilleur! Esquive tout est pété! Ah! Ah, tiens, 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 tiens! Oui! 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 On l'a eu! On est les meilleurs! Viens, montre-toi ici! On l'a eu! On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu! On est trop fort! Amis, une fois encore, je ne parviendrai pas à vous protéger. Mais on ne veut pas attaquer vos amis. C'est vrai. Nous voulions simplement votre aide. Vous devrez être assez fort pour pouvoir déplacer le rocher du pont de moyenne. Le rocher? Il fallait le dire avant! Mais c'est vous qui nous doit attaquer. C'est vrai. Je vous présente mes excuses. Je pensais... C'est pas bon de penser. En fait, j'aurais plutôt vous remercier. Ah bon? Après nos rencontres, j'ai changé d'avis. Après avoir vécu seul si longtemps, j'ai décidé de devenir véritable Sami. Les humains ne sont pas si mauvais finalement. Il s'est passé si longtemps depuis cette histoire de fantôme. D'ailleurs... Vous êtes très bien conservé pour votre âge, madame. Si vous avez une astuce pour garder vos poussins lisses, cela pourrait m'intéresser. Bien que je ne sois pas humain, je commence à avoir des rides. Mais je suis encore jeune! Ce n'est pas le sujet. Je veux retrouver mon peuple. Nous devons impérativement passer ce pont. Malheureusement, je n'ai pas assez de force pour cela. Et vous êtes un démon, n'est-ce pas? Oui. Alors, peut-être que je pourrais vous aider. Ce serait ma façon de m'excuser de vous avoir attaqué. Nous autres gardiens, nous pouvons capter la mana. De la mana? Mon père m'en a parlé. Il s'agit d'une énergie issue de la nature. Elle habite toute vie, mais elle est dangereuse à haute dose. Oui, c'est bien cela. Raconte qu'il est possible d'utiliser la mana pour accroître la force des démons. Je vais vous confier ma mana. C'est bien le moins que je puisse faire. Vous avez obtenu de la mana, énergie naturelle garantie 100% écologique et durable. Voilà qui est fait. J'espère que cela vous aidera. Partez maintenant, je dois reposer un peu. Ce combat m'a fatigué. Cela fait longtemps que je n'avais pas autant nagé. Peut-être que je devrais faire plus d'exercices et perdre un peu de poids. Alors comme ça, Jata est aussi un gardien? Comme celui qu'on avait affronté dans la forêt de mon époque? Je me demande s'ils ont un rapport avec les Magi. As-tu entendu cela, Solid Snake? Il faut trouver la personne qui nous permettra d'utiliser cette mana. T'as plus rien à dire alors? Non. Faites qu'on puisse recharger.
non, ma vie pour de l'énergie, ma vie pour de l'énergie, non, je ne peux malheureusement pas en avoir, j'espère que j'en aurai plus tard, non, à l'aide. Du coup, je peux... Tu dis quelque chose, par exemple? Désolé si tu cherches le boss, mais... Ouais, non, en fait, c'est ce qu'on avait déjà vu. Eh ouais. Faut juste que du coup, maintenant que je m'en vais, c'est ça? Par là. C'est logique. Je suis un idiot, moi. Il y a un truc maintenant. Le boss a grandi ici, il est très attaché à cette forêt. Moi, je ne trouve pas plus lui, mais tu verras si aussi bien tu... Quoi? Des fantômes? Mais enfin, ça n'existe pas, les fantômes! Ah bon? Du coup, pour retourner en arrière, c'est ça, là. Sûrement quelque chose du genre. Sûrement un truc du genre. Je prends les pièces. Il faut toujours avoir des pièces. Du coup, maintenant, si on retourne en arrière, est-ce que... On va voir. Je suppose, non? Pour de la maille. Dégage le sac. Dégage. Un petit peu d'énergie. Enfin, un peu d'XP, ça fait pas mal. Du coup, maintenant, je peux vous parler. Salut! C'est rare de voir quelqu'un de ce côté du pont. Avant, on l'appelait le pont de la maille. On a déjà vu ça. Toi? Ah, mais je peux essayer avec l'autre. Mais non. Ishoui! Je ne peux pas avoir la force de briser ce rocher pour l'instant. Ah! Bah... J'avais supposé qu'on pouvait maintenant. J'ai mal supposé. Attendez, j'ai du mal à comprendre. Je vais vous reprendre tout de suite et je vais voir ce qu'il a dit exactement. Ok, c'est moi qui a mal compris, en fait, il faut que je trouve une personne qui m'aidera à avoir mon mana. Ishoui. Mange-toi ça, et mange-toi ça. Et un peu de vie, ça fait pas de mal. Du coup... Tente de Bibi. Moi, c'est Bibi. Et toi, Bibi? Oh, mais quel charmant jeune homme! On m'appelle ma Bibi, mais j'ai toujours le cœur d'une jeune fille. Et puis, je ne suis pas si vieille. Donc, si tu es libre un soir, je t'autorise à m'inviter. Nous pourrons aller boire une potion ensemble, et puis, six affinités. Tiens, d'ailleurs, en parlant de potion, que puis-je faire pour toi, mon poulet? Sais-tu au moins ce que tu demandes, mon cochon au miel? L'éveil n'est possible que si tu me rapportes suffisamment de mana. Le mana est l'énergie de la vie et elle est très rare. Et si tu l'éveilles, n'est pas suffisamment prêt à l'accepter, il mourra. Mana. Oh! Formidable! Tu as trouvé de la mana? Nous allons commencer par ce grand costaud. Il fera un sujet d'expérimentation idéal! Simbalabim bam boum! Dalagoum, dalagi, dalaklou, mana! Augmentation de pouvoir. Le pouvoir de liquide a atteint le niveau 2. Concentrez le plus haut top pour une attaque encore plus puissante. Que puis-je faire pour toi, mon poulet? Rien d'autre. A bientôt, mon canard en plastique. T'as pu là-dedans. Ça va faire d'autre? Toi, tu sers toujours à rien. Voyons voir avec ce pont maintenant, qu'est-ce que ça va donner. On va revoir quand même là. C'est juste le promontoire, c'est ça. Il n'y a rien de si fortiche. Non. Je sais que ce calme, pas de musique et tout, ça veut bien tout dire. En gros, ça pue. Et par là, il n'y a rien. On vérifie quand même tous les endroits avant de...
de partir d'ici. Vaut mieux. Non, y'a rien. Ok, c'était juste pour savoir. Bon bah du coup, on y va. On va se concentrer, on va faire. Oui. Du coup, comme je disais, est-ce que vous êtes prêts pour voir du coup? Du coup, Ishuna, Ishoui. Oh, yeah, t'as vu ça? C'est qui est la classe maintenant? C'est qui est la classe maintenant? Hein, tu peux me le dire, Octis la slime? C'est qui est la classe maintenant? T'as beau t'exciter ainsi, t'as beau t'exciter ainsi, tu sais rien faire face à moi. Voilà, c'est qui le boss? C'est qui le chef? Ben c'est pas moi. Esquive. Mange ça. Voilà. C'est ça qui fait plaisir. Mais t'as beau t'exciter ainsi, j'ai déjà dit, ça sert à rien. Voilà comment ça se passe. Esquive. Mange ça et meurt. Voilà. Pas d'XP avec lui. Un peu de pièce d'or au moins. Ah. Un peu de plaisir, ça fait, c'est ça qui fait plaisir, comme j'ai déjà dit. Mon gars, s'il n'y a rien de spécial, il n'y a pas l'air. Pas là non plus. Ah, il y a l'ennemi en tout cas. Mais genre, tu m'as touché, mais genre, tu m'as touché. Ah, ça va, on a récupéré toute notre vie. C'est ça qui fait toujours autant plaisir, comme j'ai déjà dit. Bon, poursuivons du coup. Alors, il y a quoi ici? Connor! Regarde! Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est la mer rouge. Ou la mer noire. Où est mon village? Mes parents? Mes amis? Tout a disparu! On verse une larme. Le monde était à paix, mais. Maintenant, j'en suis certaine. C'est pas notre époque. Il faut qu'on découvre ce qui s'est passé. Allons voir à Genova. On devrait y trouver quelqu'un qui saurait nous renseigner. Il souhaite la mer rouge ou la mer noire? Et moi d'abord, je vais aller là. Carabine du prophète. Le grand destructeur vous châtiera tous. Hein? Qu'ai-je donc fait pour mériter cet imbécile pareil? Alors, personne ne vient mourir? Nous avons appelé quelqu'un, vénérable prophète. Non, il va. Ni. Il va de bête. Commencez-vous me faire attendre? Ah, enfin! Ces jours, il faudra que je change de mécanisme. Mais c'est de la meilleure façon de protéger ma précieuse. Ma très précieuse, perd du temps. Je dirais. Ah, super. Je pensais même pas à escalader la pyramide. Elle est très glissante, même les célèbres récupérés ninja n'auraient jamais atteint son sommet. Pour y entrer, il faudra arriver par les ailes. Mais sans ailes, c'est impossible. Aucun risque qu'un humain puisse voler un jour. Allez, il tape à l'épaule. Très marrant, mon pote. Donc. Ici. Vous voyez cette magnifique pyramide? C'est nous qui l'avons faite, hein. Cela a demandé beaucoup d'efforts. Mais le jour où l'eau récupérera tout, nous pourrons nous y réfugier. C'est tout de même un petit doute concernant un léger détail. Vous pensez qu'elle va flotter? Non. L'accès à la grande pyramide est interdit. Seul le prophète et les plus anciens des disciples peuvent y pénétrer. Et il suffit de chercher la clé, la porte s'ouvre que de l'intérieur. D'ailleurs, cela ne pose pas avoir problème. L'autre jour, le prophète s'est retrouvé enfermé à l'extérieur et à cause d'un courant d'air. Il a fallu une semaine pour forcer la porte et on a dû la remplacer. Le prophète a déclaré que les courants d'air étaient un présage de la destruction du monde. Ah ouais, il est fort votre prophète. Très très fort. Tu es? Je suis venu jusqu'ici pour devenir un disciple. Mais la formation d'un novice est très compliquée. Il faut maîtriser de nombreuses notions. Je ne suis pas certain d'y arriver. Je te le dis.
Est-ce qu'avec le 2, il y a moyen de détruire ça? Non. C'est des voitures. Le chiffre 5 m'a toujours attiré. C'est vrai quoi, c'est un chiffre spécial, vous ne trouvez pas? On le retrouve constamment. L'histoire des 5 petits cochons? Non. La légende des 5 mousquetaires? Non. Et bien entendu, les 5 clés que le constructeur rassemblera avant d'anéantir le monde. Bizarre, autant qu'il est. Pourquoi 5? C'est 3. Les 3 petits cochons, les 5. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est rien? Ok, c'était juste pour savoir. C'était juste pour savoir. Ah, j'ai toujours rêvé de toucher la pierre du temps. Mais cet honneur est réservé au prophète. C'est notre plus grand trésor conservé au sommet de la pyramide. Vous pensez qu'en la touchant, on peut communiquer avec le grand destructeur? Aucune idée, moi je casse des pauvres, c'est tout ce que j'ai à faire. Tu veux passer l'examen des novices? Non. C'est toi qui vois. Mais sache que seuls les disciples seront sauvés d'un corps de destruction. Bon, on répondra oui, mais durant le prochain épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, vous dire votre avis et à laisser un petit j'aime pour faire connaître ce let's play. Et sur ce, on va pouvoir se dire à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien. Oh yeah.